Je m'appelle Joseph Steyer, je suis un Hongrois, un savant sur les sujets de changement climatique, de l'agriculture et de l'énergie renouvelable. J'ai fait mon enfance en Guinée-Conakry et puis j'ai continué avec mes études en Europe. Mais je suis revenu au Maroc pour pouvoir contribuer au grand projet de Maroc Vert. Et puis j'ai constaté que les grands projets sur le continent, comme celle de la Grande Muraille Verte, ne s'avancent pas avec la vitesse nécessaire pour alimenter la jeunesse, pour créer les défis des jeunes et pour pouvoir sauver le continent de changement climatique. Alors nous avons commencé à travailler avec les scientifiques du monde sur le sujet de reverdir le Sahara. Pourquoi le Sahara? Parce que pour pouvoir donner des perspectives aux jeunes, on a besoin des grands projets, beaucoup plus que celles de projets locaux ou régionaux. On doit avoir quelque chose ou continental ou plutôt global. Et le Sahara, avec son interaction climatique, ce serait quelque chose d'unique. Et je pense que le Maroc a déjà des expériences de contribuer et pour faire démarrer ce projet. C'est pour ça que je suis au Dakhla. Et le lundi, on va chercher déjà un terrain tout près de la frontière mauritanienne, 1000 hectares à peu près, pour pouvoir lancer le projet le plus vite possible, parce que pendant le COP22, vous vous rappelez très bien, le roi du Maroc, Mohamed VI, il a dit que c'est l'action qui manque, on doit faire des actions. Allez, lancez ce projet pour les jeunes de toute Afrique.